La chanson suivante, c'est une chanson qui s'adresse à Marie. Et elle nous pose une question, la chanson suivante. Que nous enseigne Marie? Marie nous enseigne à nous tourner vers Dieu. Ce qu'elle veut nous dire, la chanson suivante, c'est que chaque chrétien a pour vocation d'être à la continuité de Marie. Marie continue son œuvre à travers chacune et chacun d'entre nous. C'est ce que veut nous expliquer la chanson qui va suivre. La piété mariale, bien sûr que la piété mariale, c'est dire des prières à Marie et se servir, par exemple, de son chapelet. Mais c'est encore plus que ça, la piété mariale. La piété mariale, c'est un art de vivre. C'est-à-dire, c'est essayer de s'approprier les qualités de Marie. Qualité d'abnégation, qualité d'humilité, qualité de foi, qualité de don de soi, etc. C'est ça la prière mariale, la piété mariale. Piété mariale, c'est à la fois s'adresser à Marie avec des prières et à la fois vivre les qualités de Marie. Cherchez avec soi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, à soi.
Ce que veut nous dire la chanson suivante, c'est que croire aujourd'hui, c'est, j'allais dire, être un héros, c'est-à-dire avoir du courage. Pourquoi ? Parce que la foi chrétienne est un engagement. Un engagement. Un engagement de vie et pas seulement une croyance. La foi chrétienne, c'est une relation avec Jésus et pas seulement une religion. La foi, c'est lire l'Évangile en communauté pour le traduire en acte dans sa vie. La foi, c'est se mettre en danger. Parce que l'Évangile est mission, parce que l'Évangile est envoi aux quatre coins du monde. Même si mes prières ne sont pas exaucées, malgré les lumières de tous mes sièges allumés, même s'il y a ces guerres et ces tours effondrées, même si certains n'ont que faire, Dieu de leur côté. Affrontant la poussière,
présence sur mes pas, et je me sentais bien sans que Dites-lui, dites-lui, Marie,
La chanson suivante, elle s'adresse à un être cher qui a fait le grand passage. Et oui, bien sûr que c'est dans la logique des choses. Nous vivons, nous naissons, nous vivons et nous mourrons. Mais ce que nous avons de plus, c'est que nous croyons en la communion des saints. C'est-à-dire que nous croyons que l'être cher qui nous a précédés dans l'au-delà veille sur nous, que nous pouvons lui parler et qu'il peut nous obtenir des grâces dont nous avons besoin, nous qui trimons sur cette terre. Que
tu me pousses et je le sens. La chanson suivante, je l'ai écrite il n'y a pas très longtemps, suite à un événement dramatique qui s'est passé en France, un événement terrifiant, un événement qui nous a tous mis KO, en tout cas moi, qui m'a mis KO. Il s'agit d'un prêtre qui, en célébrant la messe, a été assassiné par le Daesh. Et en France, ça nous a tous fracassés, ça nous a tous mis à plat. Et dans ces cas-là, pour me remettre debout, ma thérapie à moi, c'est d'écrire les chansons. La chanson suivante, je l'ai donc écrite à partir de cet événement, mais avant, j'aimerais vous lire l'introduction que j'ai écrite pour qu'on puisse comprendre la chanson, sinon on ne va pas la comprendre. Je vous lis l'introduction. Père Jacques Hamel, mardi 26 juillet, à Saint-Étienne-du-Rouvray, vous célébriez la messe devant quelques paroissiens. Et c'est là que vous avez été assassiné par deux terroristes se revendiquant du Daesh. Vous êtes mort en service. Alors, j'ai décidé de reprendre votre flambeau. Vous êtes mort assassiné parce que chrétien. Alors j'ai décidé de continuer votre mission. Votre martyre ne sera pas vain. La force du peuple chrétien, c'est son âme.
malgré les risques. Malgré les risques, je continuerai à annoncer l'Évangile. Malgré les risques, je continuerai à chanter l'espérance. Malgré les risques, je continuerai à vivre la fraternité. La guerre, me dit-on ? Eh bien, je répondrai à la guerre en aimant, en espérant. Je resterai solidaire. Je resterai uni, digne. Ma force, elle est toute dans la parole de Jésus. Et mon arme, c'est la prière. Devant la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, des peluches, des fleurs, des bougies, et ce petit mot. Ce qui empêche les gens d'être heureux, c'est leur bêtise, et non pas leur différence. Ce qui est insupportable pour les terroristes, c'est notre bonheur de chrétien. Or, le bonheur se trouve dans la fraternité, dans l'unité, dans le pardon, dans la miséricorde, dans la résilience, dans la compassion. Père Jacques Hamel, de là-haut, près de notre Père miséricordieux, obtenez-moi la grâce d'être convaincu que la violence, c'est l'arme des faibles, et que je vaincrai le mal en faisant du bien. Je veux laisser l'Esprit Saint en mon cœur faire l'unité afin de montrer que l'amour est plus fort que la mort, afin de montrer que les ténèbres ne prévalent pas sur la lumière. Je veux être, comme le demande le pape François, je veux être un témoin, témoin de la miséricorde. Si triomphe la lumière en nos cœurs.
et quel trésor, que ce mystère, l'essentiel, invisible aux yeux, cet immense amour sans frontières, que ce regard, soleil de Dieu, que ce regard plein de lumière, qui apporte la vie, l'aurore, l'espérance si forte et sincère, car l'amour. Thank you.
Vous avez de l'énergie à revendre, hein ? Eh bien, c'était notre première partie. Ça n'est pas terminé, bien entendu. Il va y avoir une deuxième partie qui sera un temps de prière chantée. Mais je tiens à féliciter la chorale. En fait, je ne les avais jamais rencontrés, bien sûr. Je ne les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas. Et pourtant, vous avez fait un travail magnifique. Je vous félicite. Nous faisons donc un petit break et puis nous nous retrouvons dans 5 minutes. Nous nous retrouvons pour un temps de prière chantée. Alors, à tout de suite et merci. Dans 5 minutes. Je voudrais vous rappeler que pour utiliser les toilettes, il suffit d'aller dans le hall en bas. Vous allez derrière, vous descendez par l'escalier et vous allez voir à votre gauche, vous avez pour les femmes et à votre droite pour les hommes. To refresh yourself, please go down to the community hall. Thank you.